Aujourd'hui, on va parler de dinosaures. Oui, je sais, c'est pas une très grosse idée reçue, mais je me fais plaisir sur celle-là. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Le Dilophosaure, s'il n'est pas une méga star parmi les dinosaures, reste un des carnivores les plus célèbres, car popularisé par le film Jurassic Park. Avant Jurassic Park, non, j'étais personne. Dans le film, il est représenté ainsi. Voilà, c'est un des plus petits dinosaures du parc, 1 mètre de haut pour 1 mètre 50 de long. Il a deux gros frisbees sur le pif, une collerette dépliable façon lézard à collerette d'Australie, et il balance du venin dans les yeux de ses victimes pour les aveugler façon cobra crasher, en plus visqueux quand même. Et si dans Jurassic Park, plusieurs dinosaures sont représentés de manière un peu exagérée, voire mon idée reçue sur le Vélociraptor, le Dilophosaure est de loin celui sur lequel ils se sont le plus lâchés. Déjà, le papillon géant sur le museau, ils ont un poil forcé. Et il n'y avait pas besoin, je trouve, parce que la taille normale, c'est déjà canon. Même plus joli, je trouve. Ensuite, et surtout, il n'existe aucun signe, aucun indice, aucune trace fossile permettant de supposer la présence d'une collerette ou de venin. Vous allez me dire, on sait pas. Les glandes à venin, ça laisse pas de traces, et ça se trouve, les baleines osseuses de la collerette, on les a pas retrouvées. Oui, effectivement, on sait pas. Mais bon, à ce compte-là, on rajoute des froufrous au T-Rex et un ventilateur au bout de la queue. On sait pas. Surtout Steven Spielberg et Michael Crichton, donc les deux cerveaux à qui on doit Jurassic Park, assument complètement d'avoir pimpé leur créature. Pas de débat. Ouais, au début, Steve, il voulait même lui rajouter des ailes, mais je lui ai dit, on risque de perdre les gens. Oh, et des cornes en feu! Ta gueule. Et enfin, non, le Dilophosaure n'était pas un petit dinosaure qui nécessite de se baisser pour lui parler. Merci, Jacques. Non, le Dilophosaure était un fier carnivore de 6 mètres de long pour 500 kilos. Belle bête. C'était l'un des plus gros prédateurs de son temps, c'est-à-dire le Jurassique inférieur. Pour rappel, la période des dinosaures, c'est Trias, Jurassique, Crétacé. Et les deux grosses périodes, c'est fin du Jurassique, donc Diplodocus, Brachiosaure, Stégosaure, Allosaure, et fin du Crétacé, T-Rex, Vélociraptor, Ankylosaure, Triceratops, Pteranodon, enfin bref, ces deux périodes, c'était la grosse teuf. Et le Dilophosaure, lui, il était là. En gros, il était au bifort et il n'y avait personne. C'était donc le king de son époque, vu qu'il n'y avait pas grand monde, et que c'était un petit peu la première fois que l'évolution dégainait un gros théropode. Quoi, le Trias, oui, non, ça c'était vraiment le tout début, rien. Un assez gros théropode, donc, que Michael Crichton et Steven Spielberg ont volontairement réduit, tout en augmentant la taille des raptors, les interchangeant presque, parce que voilà, c'est des artistes, ils sentaient que le potentiel des dinos pouvait être mieux exploité comme ça, voilà, ils savaient comment les mettre en valeur, et vous savez quoi? J'ai pas de problème avec ça. En fait, on a souvent tendance à attaquer Jurassic Park parce qu'il donne une image erronée de certains dinosaures, donc de la science, et je trouve ça pas juste. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était méga moderne. Faut se souvenir qu'avant Jurassic Park, on représentait les dinosaures souvent comme des gros lézards, lents et gras. Mais là, des dinosaures vifs, intelligents, sans une langue de lézard ou une lourde queue serpentant au sol, c'était du jamais vu. Mais ça a complètement dépoussiéré l'image des dinosaures pour le grand public, donnant une vision bien plus proche de la réalité et proposant déjà à l'époque une grande proximité entre les dinosaures et les oiseaux actuels. Voilà, c'était lourd, quoi! Et aussi, entre les recherches faites pour le film et surtout la dinosaure mania qu'il a engendrée, créant des milliers de vocations et faisant bondir le nombre de licenciés en paléontologie, on peut carrément dire que le film a fait avancer la science. Vraiment, ça a été une révolution pour la paléontologie, qu'autant de monde s'y intéresse avec tant de sérieux. Ce que je regrette, c'est que dans les suites qu'on voit aujourd'hui sur les écrans, on continue de nous présenter les dinosaures comme dans le premier film, sans essayer de coller aux découvertes modernes et à la compréhension actuelle de ces animaux. En dégainant l'argument « arrêtez de nous gonfler avec le pénaillage scientifique, de toute façon dans le film c'est pas des vrais dinos, c'est des monstres génétiquement modifiés ». Mais c'est nul! Parce que l'intérêt du film, c'est justement que ce sont pas des dragons, des monstres, des aliens, ce sont des animaux qui ont réellement existé. C'est ça qui a enflammé de passion autant de petits garçons et de petites filles. Moi y compris. Aujourd'hui, dans les derniers, là, ce sont de plus en plus de gros monstres baveux qui ressemblent pas vraiment à des dinosaures. Ils sont même encore plus faussés que dans le premier film. Je propose qu'on arrête ce délire. Alors que si on les montrait très peu, mais qu'on devinait qu'ils ont des plumes, des beaux motifs de camouflage façon rapace, ou des crêtes et des caroncules comme peuvent en avoir certains condors, qu'on arrête de nous les montrer comme des gros monstres baveux avec des mouvements surdécoupés, et nous les montrer enfin avec des déplacements brefs, furtifs, et des moments d'immobilité, comme le suspense d'une araignée immobile qui peut partir au quart de tour, comme de vrais animaux en fait. Je suis sûr qu'il n'en serait que plus fascinant et nettement plus effrayant. Enfin bref, faites ce que vous voulez avec la saga Jurassic Park, mais je pense que ce serait une bonne idée de confier ces films à, je sais pas, des passionnés de dinosaures.
par exemple. Et si vous aimez le Dilophosaure, je vous encourage à vous renseigner sur ses copains qui n'ont pas eu la chance d'être mis en avant par un blockbuster hollywoodien, Lilian Sternus, Zupaisaurus, Monolophosaurus et mon chouchou, Cryolophosaurus. C'est mignon. En tout cas, non, le Dilophosaure ne ressemblait pas à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai une annonce à faire, restez là. Déjà merci à tous les gens qui sont venus au Casino de Paris malgré la grève, vous êtes trop forts. Et en plus on a capté le spectacle, on l'a enregistré, je vous en reparle très bientôt. Mais l'annonce que j'ai à faire, c'est que l'Encyclospectacle aura encore une date à Paris. La dernière de l'Encyclospectacle, pour conclure la tournée, car je suis encore en tournée un peu partout en France jusqu'à juin. Ce sera à l'Olympia, le 3 juin 2020. Voilà, la dernière de l'Encyclospectacle à l'Olympia le 3 juin. Les réservations sont déjà ouvertes. Vous pouvez aller, le lien est dans la description. Et aussi, merci pour tous les retours suite à l'annonce de C'est toujours pas sorcier, donc avec Mathieu Demiré et Cécile Djunga. On va présenter C'est toujours pas sorcier sur la plateforme Hoku. C'est déjà disponible, donc allez sur la plateforme Hoku. C'est l'offre jeunesse de France Télévisions. C'est gratuit. Service public pour les enfants. Voilà, merci encore pour tous vos retours. Je suis trop content. Je vous fais plein de cucu à tous.